Hello and welcome on Watches TV and today we have one of those uh, long interviews uh, those testimonies that we love to do with a very special man the man who has had a very influential role in what the auction scene is going through today this man is Mr. Osvaldo Patrizzi founder of Antiquorum. so let's listen to the man and what he has to say about what has been going on over the last 20 25 years or even more actually J'ai commencé à travailler dans l'horlogerie comme apprenti à 13 ans parce que mon père était mort donc je devais travailler absolument pour amener un peu d'argent à la maison et là à 17 ans j'avais déjà mon atelier de réparation donc l'apprentissage la, était bon était rapide j'étais porté à la pendulerie à l'époque parce que c'était plus facile c'était plus grand et un petit peu à la fois, donc euh, je me suis dédié aussi à l'horlogerie de poche. Et euh, Milan était une ville très active à l'époque pour euh, l'horlogerie des collections, mais l'horlogerie grand, des de grands pendules. Et ça m'a aidé beaucoup. J'ai eu une, une plus de deux magasins et, à Milan, donc une où j'ai connu Gabriel Tortella. Et avec lui, il m'avait proposé, vu l'intérêt on arrivait à obtenir vis-à-vis -vis de des passionnés, de venir à travailler en Suisse. Je dis dit Mais venir travailler en Suisse, c'est comme même une aventure pour moi. Je suis très milanais, très italien, dans tous mes défauts, ou qualités. Mais ça m'a montré le côté positif de faire de l'horlogerie dans le temple de l'horlogerie. Et Genève est le temple de l'horlogerie. Et voilà, et en 73, j'ai pris les valises, la, ma femme, mes enfants, et je suis arrivé en Suisse. Et là, on a commencé la galerie d'horlogerie ancienne. Avant, c'était galerie genevoise d'horlogerie ancienne. On n'avait pas une idée du marketing, qu'est-ce que c'est l'importance des, des initiales d'un mot fort. Après, c'est devenu galerie d'horlogerie de ancienne, parce qu'on n'arrivait pas à mettre dans le titre du catalogue. Et, et après, c'est devenu Antiquorum. Je dirais que la différence qu'il y, qu y a eu entre ma compagnie et les autres maisons de vente aux enchères, c'est que je suis parti dans l'idée qu'un client, c'est quelqu'un qu'il faut respecter et qu'il faut instruire. Pour pouvoir le faire, il faut connaître bien l'horlogerie, pour ne pas dire des bêtises. Et le fait que je suis horloger au départ, ça m'a aidé beaucoup. J'ai voulu, toujours voulu faire la qualité, même si l'horlogerie n'est pas toujours la qualité, mais les idées, quelquefois, il n'y a pas d'idées, il n'y a pas de, de la belle horlogerie. Il y a des idées, il y a de la belle horlogerie. Et je me souviens d'Isaac Grasset, une fois, parce que je faisais des recherches aussi dans les archives, de, de Genève pour, pour faire un, un dictionnaire sur l'horloger genevois qui a vu la vie 15 ans plus tard. Et il y avait cette nom qui m'est toujours resté dans la mémoire parce que il a Grasset, c'est un horloger qui avait inventé un système de remontage sans le ressort plat, donc un ressort circulaire ou un ressort cylindrique. Il avait fait faillite six fois, mais il a continué. Et aujourd'hui, on a quelques montres encore euh, qui étaient faites par lui et qui ils ont, ils ont euh, coûté beaucoup plus cher aujourd'hui qu'à l'époque, j'imagine. Mais elles sont toujours intéressantes parce que c'était l'esprit, c'était l'idée d'innover, trouver des moyens pour faire moins cher et plus accessible. Pour terminer avec Isaac Grasset, c'est un horloger genevois de la première tiers du XXe siècle. On a commencé la première vente en 1974 et on n'a jamais vu une, à l'époque une telle quantité de monde dans une vente aux enchères on n'avait pas des des crieurs, je n'étais pas crieur, je ne savais même pas qu ce que c'était Gabriel non plus euh, Gabriel Tortella donc et euh, on avait demandé à un commissaire de la place et donc, de faire la vente euh, seulement qui parlait que le français et même pas le bon genevois et avec une platée de 300, 400 personnes et dans laquelle la grande partie des Allemands, des Italiens et des, et des Anglais. C'était un peu compliqué. On était deux, donc on pouvait pas faire, pas faire beaucoup de choses. Et tous les deux, on est... lui était plutôt, Gabriel était plutôt euh, l'homme euh, d'affaires. Moi, j'étais plutôt la, le technicien. Donc, euh, mais avec quand même des idées innovatives. Et celle-ci a euh, fait croire les, les collectionneurs à un suivi. Maintenant, c'est facile. Euh, avec la publicité qu'il y a seulement dans les, dans les montres modernes, vous voyez, il y a une continuité qui est naturelle. Naturelle parce qu'on trouve partout, n'importe quel journal, on trouve des, des montres qui sont très belles, qui sont très valables, très chères aussi, mais c'est une autre façon. Pour l'époque, les petits catalogues verts étaient le meilleur. Ça veut dire que tous les objets, ils devaient être photographiés. Un client qui regardaient devaient être passionnés par qu ce qu'ils voyaient et devaient aussi pouvoir acheter avec sécurité. Donc, on donnait la garantie que l'objet était comme était décrit. Calculez que moi, je ne parlais pas le français à l'époque. C'était un employé qui faisait la traduction, donc ce n'était pas fantastique. Mais en tout cas, on est arrivé à partir et c'était comme ça. Donc, c'était la qualité des photos, la qualité des des descriptions et le fait d'être extrêmement ouvert. On, on donnait tout de suite le prix de juridication, Donc les personnes, ils ont compris qu'il y avait quand même un intérêt, même si c'était un, un intérêt juste qui commençait de, de naître. Et donc il y a eu pas mal de des clients qui se sont affectionnés à l'horlogerie à travers ce type de communication. Vous savez, à la première vente d'enchères, on avait vendu un une genevoise des Henry Kapt, euh, 1811, il avait fait 250 000 francs. 250 000 francs, à l'époque, 1974, était une somme énorme pour l'horlogerie. Énorme. Après, il y a eu quand même, qui a fait renaître de l'intérêt pour l'horlogerie mécanique, ce n'était pas que la vente d'un les ventes d'enchères, étaient aussi chez l'argent. Et je me souviens en 1980, il me dit, Je j'aimerais pouvoir faire des montres compliquées, mais je ne connais pas les clients. Tu connais, hein? oui, je connais quelqu'un qui pourrait être intéressé. Lui, il collectionnait que des montres de poche, ce client américain, mais quand je lui parlais, je lui dis, ah oui, bien sûr, j'aimerais une montre faite pour moi. Une répétition de minute squelette. Ouf. Euh, bah, j'ai a gagné le pari. Elle l'a fait, elle était magnifique, elle était très, beau, très, très, très intéressant parce qu'on voyait, pas pour la première fois, la mécanique en fonction, mais la répétition de la minutes en fonction sur une montre de 13 lignes, ce n'est pas facile à, à faire. Et lui, il l'a il fait, il l'a vendu, et s'est pris courage, et l'a ouvert. Donc il a commencé toute tout son activité. Donc Antiquorum, à l'époque, était quand même pas simplement une lien avec les collectionneurs, mais était aussi un promoteur. Je me souviens, je me souviens plus à l'époque, qui était, vous dit quand vous êtes, vous êtes venu la première fois, la première vente, à l'école de rogerie, il y avait deux élèves, on pensait de les faire la fermer, euh, 4 cinq ans plus tard, il y en avait 24. Ah, ça veut dire que les prix qui ont augmenté, on voyait des choses qui valaient 1000, 2000, 3000, 5000, on voyait que celle-ci, c'était pouvait donner du futur aux passionnés. Je dirais, ce n'était pas très différent de le vrai collectionneur d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a les collectionneurs et l'investisseur. À l'époque, il y avait plus des collectionneurs que d'investisseurs. Mais quand on dépense des dizaines ou des centaines de milliers de francs, euh, l'investissement est important. Et le fait de pouvoir compter sur une continuité, sur une... Euh, transparence de, de, de la vente aux enchères a créé beaucoup d'intérêt et ça c'était mon avis au départ garantie de qu ce qu'on vendait la grosse et la montre de poche description complète des photos qui faisaient la, la, créer l'envie la vente des montres est née en 81 un jour je me suis dit mais c'est beau la montre bracelet même, même si c'est un peu un peu industriel mais c'est quand même beau parce que on a l'avantage qu'on a à travers, avec une montre de poche, un pendule, c'est qu'on peut vivre notre passion tous les jours. On l'amène avec nous, donc, est plus attachant qu'une montre de poche qu'on utilise une fois par semaine ou qu'on met dans une safe et on le voit quand on a le temps. Et ça, c'était la, la raison pour laquelle j'ai tout de suite misé beaucoup sur les pièces importantes, intéressantes. Et essayant, en essayant quand même de donner à la montre brassalée une historique et une vie intellectuelle, un bagage culturel qui amenait, qui était aussi comparable avec celle de la montre de poche. Parce que c'est comme ça, la, la montre brassalée est la petite fille de la montre de poche. La montre de poche est la petite fille de la, de la pendule. Donc il y a tout un lien. C'est seulement question de le faire connaître aux au clients. Vers la, les années 85-86, j'ai commencé à voyager entre 150 000 et 200 000 km par mois. C'était d'aller à serre des mains, de faire les, les shows, de, donc les antique shows, les watch shows, les jewelry shows, essayer de trouver des montrer qu'à Genève, on pouvait faire mieux avec un meilleur résultat qui faisait content le vendeur et l'acheteur. Le vendeur parce qu'il vendait au meilleur prix, l'acheteur parce qu'il trouvait des choses qu'il ne trouvait pas ailleurs. C'était des pièces que j'avais trouvées parce que à l'époque, il il n'avait pas, pas cette recherche euh, des de, de montres un peu spéciales ou de grande mode. Je peux vous raconter une anecdote qui était très, très sympathique. À la, après la première vente d'enchères, on faisait toujours des dimanches. C'était un lundi, on avait vendu très bien. Et on avait, lundi matin, à 10h, 10h30, je reçois, reçois un téléphone de, de Monsieur Stern, Philippe Stern. Il dit Osvaldo, qu'est-ce qui se passe Pourquoi J'ai le magasin plein de monde qui veut des montres Quentin Perpétuel. Je dis, euh, les, 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 les nouvelles, les modernes, enfin, oui, ça fait 20 ans que je les là, je ne les vends pas, maintenant tout le monde les veut. Je dis, bah, bien sûr, parce que vous les vendez à 15 000 et nous, on a vendu à 20 000 d'occasion. Donc, alors, stop tout à stopper la vente. Monsieur Stern a toujours aimé la, la montre, et surtout l'époque, c'était surtout la montre de poche. Et évidemment, Patek Philippe avait beaucoup à dire. Et entre les expos, entre les idées qu'il y avait et qu'est-ce qu'on trou, trouvait sur les livres. Donc je crois qu'il a cru voir l'intérêt que la vente aux enchères donnait au public, aux collectionneurs, les prix montants. Et c'est donné à… donc on a eu souvent des… des pas des réunions, mais des rencontres qui étaient quand même un peu des réunions parce qu'on parlait de Rogerie, on parlait du futur. Et je crois que c'est avec nous qu'elle a commencé à collectionner, à créer un musée avec la collection Gaggia, des montres genevoises des formes. Et ça, c'était le départ. Et ça, c'était une bonne façon, une bonne collaboration, je crois, parce que... Je crois qu'Anticorum, à l'époque, a beaucoup collaboré à faire, à, au, au musée qui avait en tête de faire. J'étais impliqué à chercher des choses qu'il n'avait pas. <laughs> Avoir un client comme Philippe Stern dans une moto d'enchères, c'est déjà le 40% de la chiffre d'affaires faite. <laughs> Donc, était, était très, très sympathique de participer et, ou d'être au téléphone ou envoyer un employé ou un collaborateur. Mais c'était surtout en comprenant un peu qu ce qu'il voulait faire. Il voulait faire deux, 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 deux musées, enfin, une l'origérie en général et une Patek Philippe. Pour Patek Philippe, il pouvait savoir mieux que moi, parce qu'évidemment, ils avaient tout. Pour le reste, j'ai pouvais trouver qu ce qu'elle lui cherchait, que ce soit dans les montres du 16e, du 17e, euh, des montres maillées surtout, montres pour la Chine. J'allais souvent en Chine à essayer de trouver et de recevoir des montres faites à Genève pour le marché chinois. Des choses merveilleuses qui à l'époque coûtaient deux fois rien, mais qui aujourd'hui coûtent mille fois plus. Le moment que j'ai compris que la montre est quelque chose qui doit fonctionner, sinon elle n'a pas de raison d'être. Et je suis pour la montre en état parfait, même si c'est du 17e, en fonction du temps aussi parce que c'est de la technologie. La technologie ne peut pas avoir la rouille, ne peut pas avoir des, des mauvais états, des griffures. Donc euh, c'est ça qui m'a qui, qui fait choisir d'ouvrir un atelier de restauration à, la, à côté, ici et où j'ai cherché des horlogers, entre autres Frank Müller, Parmigiani, Somazzi, Prezioso, Dubuis, toutes les personnes qui ont commencé leur activité horlogère dans mon atelier, parce que je voulais que la montre, même s'il ne fonctionnait pas, ce n'était pas grave, c'était à l'acheteur, mais sachant qu'il y avait, tout était en place. L'usure peut-être, peut-être l'oxydation peut ça c'est le temps, on ne peut pas changer ça. Mais si on veut avoir quelque chose qui soit valable et qui soit apprécié, il faut qu'il soit parfait. Bien sûr, avec le temps. L'esprit de Philippe Stern était quel de, de faire quelque chose d'extraordinaire, qui soit dans la, dans la ligne de, Patek, de la tradition de Patrick Philippe. Et moi j'avais pensé 150 ans c'est une, une occasion, une occasion de créer enfin une vente spécialisée en marque, la vente thématique. Et c'était la première vente thématique qui a été jamais faite donc où on voyait la pas Patek pour quest ce qui était dans un objet, mais son évolution dans le commencement et jusqu'à jusqu'à l'époque 1989. Donc la Patek Philippe 89 était était déjà un programme de, de Philippe Stern et quand je lui ai proposé à, à lui et à Monsieur Bembry, qui était son aide donc la possibilité de faire un tour du monde avec avec euh, la collection Patek Philippe si je pouvais avoir une aide à niveau connexion à niveau détaillant qui pouvait donc présenter cette collection qui a mené dans le tour du monde. Et ça a été bien apprécié. Il a ont, ont tout de suite vu l'impact qu'il pouvait avoir. Et il nous a fait connaître Tiffany, avec, soit à New York, soit à Los Angeles, où on a fait, entre autres, des, des très bons contacts, excellents contacts. Mais pour vous dire, à l'époque, il a bien vu. Je me souviens, il y avait un journaliste qui est venu vers moi à Los Angeles. Je me dit :« Mais qu'est-ce qu -ce que c'est Philippe Patek Il ne Non, ce pas Philippe Patek, ce n'est pas en allemand, nom et prénom. C'est Patek N. Philippe. Donc, mais pour vous dire, quelquefois, c'était qui qui, quelqu qui vient avec une chose aussi compliquée, où il a fallu neuf ans pour la faire. Voilà. Nous, on a eu la première, et les trois autres étaient vendus à. Un client très important de les Après, j'ai pu les réacheter, les quatre. Il y a certains personnages qui sont très riches, et très importants, donc il faut les flatter avec des choses toujours nouvelles. Et les choses qui sont déjà là depuis 2, 3, 4, 5 ans, ils ont perdu d'intérêt. J'ai utilisé cette stratégie, donc d'essayer de, de proposer quelque chose qui soit intéressant pour lui. En essayant de récupérer la série des quatre avec la boîte Hermès pour les poser dedans. C'était fantastique parce que, euh, imaginez-vous, parmi les différentes choses, différentes choses qu'on peut attendre et imaginer dans une vente qui pourrait appeler quelques milliers de personnes, c'est jamais vu. Et on avait pensé donc à l'hôtel des Bergue Et à l'hôtel des Bergue on s'est rendu compte, mais si on va avoir 7 ou huit personnes par mètre carré, un hôtel vieux signifie que, je ne suis pas sûr, qu'ils tiennent le plafond. Je n'aimerais pas éliminer d'un coup tous les, tous, les, tous les clients. Donc euh, on a fait venir une étude de, de, par les ingénieurs de l'hôtel qui nous ont dit non, pas de problème, parce qu'on ne pourrait pas mettre 7 mais 5 euh, à 6 ils peuvent aller en tout cas on avait loué une autre salle qui permettait donc de, de disperser un petit peu Alors, à l'époque euh, on parlait des des millions c'était quelque chose d'énorme. quelque chose de je crois que c'était dans, dans dans les idées de messieurs stern pour moi tout qu ce que ça passait les trois trois et demi c'était ça a été du, du bonus bonus parce que ça veut dire qu'on était on avait été capable de toucher les personnes correctes, juste. Et pour finir, elle a été vendue à cette époque-là Oui, à 4 millions et C'était intéressant parce que c'était l'année où on a commencé à avoir des chiffres importants, même dans les montres de bracelet. La première montre de bracelet qui a fait un million, je me souviens, c'était un Japonais qui l'avait achetée, et avait... c'était un choc. 990 000, 950 000, je, me, je tenais le marteau. Il s'est levé, il a levé la tête, je lui ai dit, Je crois qu'il n'était pas très sûr de le faire, mais après il a dit oui, yes, yes, yes. <laughs> On a touché le million. C'était une somme très importante. C'était une patrie Philippe avec euh, la, le contient perpétuel rétrograde. C'était une, une pièce qui était en deux, trois exemplaires seulement. On faisait comme chiffre d'affaires Antiquorum tout seul, ils faisaient comme sorte de et Philips ensemble dans le monde entier. Donc, on a une autre chose qui a donné quand même pas mal d'impulsions. En 1979, j'ai ouvert Antiquorum Hong Kong. C'était une, une très bonne idée parce que je me suis dit mais les Chinois, ils ont acheté toujours des choses très belles et très chères. Et ça reste dans leur esprit, ça reste dans leur DNA. Donc, c'est pas qu'une génération efface les plaisirs qu'on a, a vu tous sais, les pères ou les grands-pères. Et donc, j'ai ouvert euh, euh, Anticorum Hong Kong. C'était dur la première année parce qu'il faut tout créer dans un endroit où je ne parlais pas l'anglais, où on ne connaissait personne, personne n'avait jamais fait les ventes de Rogerie. Aujourd'hui, Hong Kong, c'est le. C'est le paradis, donc, des maisons de vente aux enchères. Mais à l'époque, il n'y avait personne. On était les premiers Et moi, je faisais la vente aux enchères avec le marteau, euh, en français, en étudiant les, 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 les mots en anglais, en ayant quelqu'un qui, qui, qui expliquait en chinois si quelqu'un montrait qu'il ne comprenait pas. Donc, c'était pas une bonne aventure, mais le courage, quelquefois, est premier. Énormément stressant le fait de faire 150-200 000 km par mois. Surtout que dans une société comme Sortu, Christis, Philips, vous avez département de marketing, département de suédition, département de projetation, département de euh, restauration. Là, c'était basé sur les, mes épaules. J'avais des excellents collaborateurs, mais la décision était la mienne, l'idée la, était la mienne. Donc je devais les proposer, je devais les faire comprendre. Si J'arrivais à les faire comprendre. Je suis sûr, je serais sûr que les autres avaient compris encore mieux. Et c'est bien passé comme ça. Donc euh, c'était la... très très stressant. Et à la fin, je disais récemment à ma femme qu'est-ce que s'est arrivé C'était pas beau. C'était vol, mais enfin, je heureusement, on en a. A besoin de ça pour vivre mais euh, si j'avais continué je ne serais pas là aujourd'hui parce que je me souviens une fois euh, c'était en 2002-2003 j'avais demandé une assurance vie et j'étais allé à l'assureur l'assureur m'a dit bah, l'assurance m'a demandé de faire une visite médicale comme toujours il m'a dit mais bah, monsieur patricie vous avez de sang de pression ça marche pas on ne peut pas vous assurer « Waouh c'est pas pas joli d'entendre ça. Donc c'est arrivé. Qu'est-ce que c'est arrivé? Aujourd'hui, je dis peut-être, peut, -être, peut -être que ce n'était pas aussi mal. Il y a un côté, c le côté argent, c'est le plus désagréable, le non, le, pas désagréable, le plus embêtant, parce que vous avez travaillé une vie et vous êtes arrivé pour vous êtes à la fin pour essayer de Récupérer le fruit de votre travail, mais en tout cas, c'était la possibilité de, de montrer à tout le monde que Anticorum avait encore beaucoup d'années de vie. Si, c'est là. toutes les méchante qui étaient dites contre mon ma gestion, après je ne comprends pas pourquoi parce que c'était ma mon usine, mon fa, ma fabrique, mon a, a, a activité. Euh, j on m'avait collé 72 euh, plaintes pénales. Après 3 ans, 3 millions d'avocats, zéro. On a pu montrer que c'était les autres qu'ils avaient. Mais ça, ça fait partie de l'histoire. Donc, euh, c'est l'histoire passée que j'ai oubliée. Enchanté d'être été parmi les promoteurs de, de, cette, de cet intérêt pour l'horlogerie. Et ça, ça m'a fait toujours plaisir. Je dirais que mon intérêt s'est développé un petit peu dans la montre de po montre bracelet et la montre de poche. Et je, je disais, mais si je dois faire une description de montre de poche, il me faut deux pages. Je dois faire une description de montre bracelet, il me faut quatre lignes. Où elle le bagage culturel. Il y a, il existe c'est différent le design, la, la technologie, la précision, l'effort le, de faire quelque chose qui soit de longue durée et qui soit toujours toujours apprécié. C'est tout à fait valable, c'est tout à fait une bonne chose. Mais moi, je, je me retiens plutôt un historique, un historien de la, de l'horlogerie et comme tel. Euh, J'aime ai, euh, les oignons, même si c'était les oignons, c'était les swatchs de l'époque, ils étaient beaux marchés, ils étaient gros. Mais alors, quand on les voit mouvrer comme ça, bouger comme, comme ça les roues et tout, tout le reste, et quand on voit qu'après 200 ans, 250 ans, ils sont encore là en faire tour des clés, clic-clic-clic, tic-tac, tic-tac, ça va, ça m'a fait plaisir. Surtout que qu'ils n'étaient pas faits en série. Il y avait des petites séries faites par des horlogers ou des petits ateliers. Donc, vous voyez toujours quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous donne le plaisir de, de vous dédier à quelque chose. Les clients, au prix qu'ils payent, ils veulent la, la qualité. La qualité, même si c'est à niveau industriel, on peut la faire. Vous voyez Rolex, vous voyez surtout Rolex, le meilleur exemple, ils font des choses... Des montres bien faites, mais de grande précision, de grande qualité, avec tout ce qu'il faut. Après, vous avez des pateks qui sont magnifiques parce qu'il y a la qualité et le finissage, les en Constantin, les autres comme ça. Donc, c'est toujours quelque chose qui, qui, euh, qu'on peut apprécier. Et même si euh, tout ça, ça coûte énormément d'argent et d'efforts. Donc, certaines marques, ils ne peuvent pas maintenir cette qualité pour longtemps parce que le prix est quand même cher, le prix de l'évier est tellement cher. Ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des marques qui vont apparaître et disparaître comme des météores, zoup C'était aussi à l'époque, c'était aussi avec la moto de poche, mais était fait d'une façon plus humaine. Aujourd'hui c'est le compteur, tric tric tric, c'est différent. Il y a beaucoup d'argent dans le marché. Il y a beaucoup d'argent dans le marché. Il y a beaucoup des, des, des collectionneurs qui veulent l'avoir tout de suite. Qu'est-ce qu'ils nous montrent Il faut attendre deux, trois. Ma montre, je ne peux pas attendre deux ans chez Patek. Donc j'ai attendu et je l'ai eu. Donc il y a certains qui ne veulent pas attendre deux ans et ils payeront le double, le triple pour l'avoir tout de suite. Parce que c'est parce que une, une status symbol qui veulent montrer à tout le monde qu'est-ce qu'ils ont, les contacts qu'ils ont et la. la la, 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 la cote financière qu'ils ont c'était toujours comme ça en fonction en proportion parce que on montre en forme d'enfant à en 1974 ça qui vaut aujourd'hui une montre un bracelet des 3 millions trois millions et demi donc ça ne m'étonne pas après il y a les ventes bienfaisance où tout ça change c'est une autre. N'est plus la, la montre qui est qui on achète, on achète l'image. C'est différent. Alors en général, là, ça reste. Euh, même si je dois dire que j'utilise un peu moins ma montre bracelet, mon plus mon téléphone. Mais hum, si on veut avoir quelque chose qui nous plaît, qui nous fait plaisir, je préfère mettre ma montre bracelet que le téléphone de, 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 dans ma poche un peu les lourdes. Mais je crois que l'horlogerie a une longue vie. Donc, une longue vie, euh, si ils savent euh, comment dire, bien la promouvoir. Parce que c'est une question de communication. Et en plus, il a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Récemment, avec tous les trillions de, de dollars qu'ils ont jetés, mis sur le marché pour, pour, euh, pour essayer de sauver un peu des, des vies humaines. Tout cet argent, il va à la fin, dans deux, trois, après deux, trois passages, il va toujours dans la même poche. Qu'est-ce qu'on fait avec 150, 200 milliards de dollars Vous ne pouvez pas acheter dix voitures à la fois, les conduire. Euh, donc, euh, à un certain moment, vous, avez, vous, avez, vous voulez l'exceptionnel. Et l'exceptionnel, il y a beaucoup de monde qui le veut. Donc, il faut le payer. Moi, je suis un peu euh, prudent avec le, le site, les, les web, parce que tout le monde dit qu ce qu'il veut. Et quelquefois, ils disent beaucoup de bêtises. Surtout que si vous êtes horloger, vous comprenez que il, on parle par passion, par de dire, parce que je pense que. Mais ça, c'est toujours été comme ça. Donc, les, les grands passionnés. Ils connaissaient bien connaissait bien étaient très était prudents. Les personnes qui voulaient montrer qu'ils savaient plus, et tous, ils ont fait de mauvaises figures. Aujourd'hui, il y a la même chose, un, dans un niveau tellement différent. Parce que là, on parle des millions de personnes. À l'époque, c'était des dizaines de milliers de personnes. Donc, c'est toute une, une dimension différente. Je vous remercie d'être passé nous voir et merci pour cette interview. Bon, C'è un piacere, mi avete fatto rivivere alcune piccole aneddote della mia vita che ho sempre il piacere di vedere e di Grazie a voi. Hope you enjoyed this long interview, I found it uh, quite interesting uh, to know a little more the details on the behind the scenes of this fascinating auction world. Well, see you soon for another of these uh, long testimonies. Thanks for watching. All the best, and Viva watchmaking. Bye.